Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui c'est encore un autre jour. Joyeux anniversaire à Gatsby Kabakele. En tout cas, l'homme. Voilà, aujourd'hui c'est ton jour. Profite bien de ta journée. Hein? Profite bien en tout cas. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse te faire du bien. Vraiment, un an de plus, une année de plus. C'est juste la grâce venant du Père Tout-Puissant. Je vais vous laisser. Vous allez regarder comment on lui a fait la surprise. Comment il a reçu son gâteau du jour, comment ils ont égayé sa journée. C'était vraiment magnifique, c'était waouh. Donc avant cela, moi je m'appelle Mama Kimia Sarah, la queen de la sap. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite de vous abonner en cascade, c'est-à-dire prenez vos chaises, vos tapis, vos tabourets, vos nattes, vos chaises en plastique, en cuir, en métal, en bois, tout ce que vous avez comme chaise, installez-vous sur ma chaîne. Ici, c'est la joie de vivre, la paix et surtout tout ce qu'on partage ici, c'est dans le respect de tout le monde. Allez, je vous laisse avec la vidéo et les autres partages de Gatsby, les conseils qu'il donne aux femmes, les conseils qu'il donne à tout le monde. J'espère que ça sera vraiment une chouette vidéo quand même. Quand même. On y va. Joyeux anniversaire Gatsby. God bless. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça se voit que il était vraiment ému. On sait bien que les hommes, c'est difficile de comprendre leurs émotions, mais là vraiment ça se voit que il était vraiment ému. Il ne s'attendait pas à ça. Il était vraiment en mode relax et tout d'un coup boum. La surprise de ça. Alors, on va voir aussi comment Linda a souhaité joyeux anniversaire. Hein, toujours à côté de sa maman, Sila Bissalou. C'est trop chouette de voir comme ça, cet approchement-là. C'est vraiment trop chouette. Moi, je demande juste que ça continue comme ça, que cet amour puisse continuer, un amour sincère. Et je trouve que ça aide aussi à bien travailler, à bien se communiquer. On verra aussi les élèves de Gatsby, comment ils ont souhaité joyeux anniversaire à leur professeur d'anglais. Hein, je rappelle que Gatsby est prof d'anglais. J'espère que nous tous, nous le connaissons et il parle très bien anglais. Il s'exprime très bien en français. C'est vraiment un artiste au complet, je peux dire comme ça aussi. Voilà, il fait du théâtre, cinéaste. Donc, voilà, il joue très, très bien. Et voilà, je vais vous laisser le temps de regarder toutes ces vidéos-là. Et on va regarder comment il apprend aussi l'anglais à Aïda. Tout ça là, c'est ici. Alors, restez scotchés. Je vous laisse avec les vidéos et je reviens juste après. God bless. Merci. À tout de suite. I always do videos and photos. So, hi everybody. Hi. How are you today? I'm fine. So
posting the video te on a TikTok. You need to be in the video. I need to see you in the video. If you are not in the video, if you are not in the video, you can't do anything. I'm here. I'm here. I'm here. Oh my God. I'm trying to have all of you. I'm be- oh! Hey, okay, I'm here. So, everyone will be here. This is an amazing class. I'm very happy to be your teacher. And today is like the fifth day of the week of the session. I love you guys. Love you, teacher. This is Gladys. Hello, people. How are you? How are you? How are you? That's it. You are funny. Yes. Uh-huh. Do you think I'm funny? No. I'm not funny. Okay. I'm serious. Yes. Ah, okay. Okay. No problem. I take it. So say your name. What's your name? My name is. My Gatsby. Name is Aiza Kapilas. Oja. Adama. Can we do this? Kenny West. Kenny West. That way. No, that's Kenny. It's not Kenny West. It's Kenny. Pas du tout, je ne vis pas en Occident, je suis en Afrique, là où il fait chaud, là, je vis là-bas. Yes, look there, look up there. Say hi to people. Hi, people. How are you, people? How are people? Gotcha. How are you, people? How are you, people? Oui, oui, oui. Why are you doing this? You're funny. You're funny. No, you are funny, not me. You are funny. You. Not me. You. Entre nous soit dit, hein, si tu as la chance de trouver une bonne personne, si tu as, je peux dire, si tu as la grâce de tomber sur une bonne personne, un partenaire ou une partenaire qui prend soin de toi, qui est attentionné, qui est vrai avec toi, et tu sens que vous avez une alchimie ensemble, il y a une alchimie entre vous. Neuronaraï, garde-le, garde-la. De nos jours, il est très difficile de tomber sur les bonnes personnes. Très difficile. Alors, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que il y a des séparations qui sont des délivrances, je vous dis. Oh, ah, ta copine te dit non, toi et moi c'est fini. Ton copain te dit toi et moi c'est fini. Ça fait mal. Tu peux pleurer, oui. Mais c'est une délivrance à un point, tu n'as pas idée. Ton ébissio, donc, dans ma délivrée, yo, namilo, moro, boudon, ro, imaginez-te. Er, moro, d'automne, démarre la rupture. À un moment donné, il faut accepter la rupture. Il faut prendre la rupture parce que il y a des ruptures qui sont des délivrances, je vous dis. Hein? Des délivrances.
pour moi la camarade sera bouillie, ça délivrance. Moi sa propreté sera bouillie, ça délivrance. Retenez ceci que nul n'est parfait. Personne dans ce monde peut prôner pour parler de la perfection. On a tous nos défauts. Mais on a c'est-à-dire que chaque humain sur terre a des défauts. Jusqu'au toi maintenant, sous un amoutunayo, garde car amoutunayo, gardez, cherche à comprendre des fois amoutunayo, vivre nango. Parce que aucun homme n'a des qualités, que des qualités, non des défauts. On a tous des défauts. Si vous cherchons des sicoyo à maîtriser les défauts des uns et des autres, qu'on se maîtrise et qu'on avance. Parce que si on a un défaut tel, on a un défaut tel. 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 Hein? Visiter un autre pays, ça fait du bien. Quand tu vois des lumières qui brillent comme ça, oh là là, ça donne des visions. Ça donne des projets. Mais Agathe, il a envie de sauter dans l'eau. Mais il a dit non, je ne vais pas sauter. J'ai beaucoup de projets à réaliser. Voilà, c'était juste vraiment amuser la galerie. Voilà, là, Gatsby, il est vraiment en mode voyage, un petit tour quelque part. Alors, moi, je pense que Gatsby, j'ai remarqué qu'il est, il est bien avec tout le monde, au fait, avec ses amis artistes. Quand vous passez sur ses pages, vous allez voir vraiment des petites vidéos qu'il fait avec les autres artistes en mode rigolade, en mode blague, en mode voilà, enjoy, des trucs comme ça. Ça fait vraiment du bien. Et moi, je conseillerais à tout le monde, à toutes nos stars, d'arrêter avec des trucs qui a Bazizani, des trucs qui a Ekenda, qui a Zongisa, qui a Baloukaki, parce que moi je n'ai jamais vu une vidéo par exemple ouais Gatsby a fait ça, Gatsby a fait ceci, c'est là, il a dit c'est là, non. Je pense que jusque là il essaie vraiment de se gérer, même en ce qui concerne sa vie privée et tout. C'est vrai que les gens veulent savoir avec qui il sort, nanani nanana, mais bon. Donc, du moment où il n'a pas encore prononcé quelque chose, il n'a pas encore dit quelque chose, même si on voit les vidéos avec Aïda et tout, mais jusque-là, ils n'ont rien dit, ce n'est pas encore officiel, donc on ne peut pas approuver qu'ils sont en train de sortir. S'ils sortent, il y aura Dieu, ça sera un joli couple, mais du moment où ils n'ont pas encore, ils ne se sont pas encore prononcés, moi personnellement, je trouve ça normal qu'ils soient ensemble en train de parler, qu'ils puissent aller à une fête, c'est entre les collègues. Bon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Voilà, on continue et puis on va se dire au revoir dans quelques minutes. Je vous laisse pour la suite. Happy birthday to you. Happy birthday. I love you guys. Thank you. You know, I'm very. I am. How old am I again? I'll tell you later. Écoutez, on ne fait pas l'orgueil devant celui ou celle qu'on aime. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'homme de leur vie ou la femme de leur vie uniquement parce que ils ont fait l'orgueil. Alors écoutez, quand on aime quelqu'un,
on exprime ses sentiments. On se dévoile. Ça ne tue pas. Il faut se dévoiler. C'est important. Car l'amour surpasse tout. Ne soyez pas orgueilleux. Ça ne sert à rien. Dévoilez-vous. C'est important. Vous risquez de perdre. Hein? Je tombe beaucoup sur ce genre de cas. Mes frères, ne soyez jamais ingrats. Ne soyez jamais ingrats. Ne démontrez jamais de l'ingratitude. Soyez toujours reconnaissant. Même si on vous a fait un petit bien. Parce qu'il n'y a pas de grand bien, il n'y a pas de petit bien. Normalement, c'est ça. Mais même si vous pensez que le bien qu'on vous a fait est petit, ne soyez jamais ingrat. Soyez toujours reconnaissant et bénissez ces personnes qui vous ont fait du bien. Je vous dis, et Dieu vous bénira. À plus. Ma soeur, quand tu seras avec un homme et tu estimes que cet homme est trop intelligent, qu'il a fait des grandes études, c'est à ton avantage. Essaie un peu d'élever un peu le niveau. Essaie vraiment de monter à son niveau. Quand tu trouves un homme qui est au numéro 10, toi tu es à 5, ne va pas plus bas, ne régresse pas, n'est-ce pas? Et ne le pousse pas à trop descendre. Mais fais un effort de faire même un pas, deux pas. Et lui de son côté aussi peut faire deux ou trois en régressant un peu pour que vous soyez à la même longueur d'onde. Au fait, l'homme peut t'aider à monter. Prends ça comme un avantage dans une relation. Car dans chaque relation, on apporte. Dans chaque relation, on construit ensemble. Alors quand tu sors avec un homme qui est trop intelligent, même toi mon frère, quand tu sors avec une fille qui est trop intelligente, essaye de monter, élève un peu le niveau. C'est très important. C'est pour garder l'équilibre de la relation. I'm right here, right now, with the big, big, big star, Moindo Pongo, my yo, dear. Guy is an extremely talented. Not more than him, he's talented lying. Artist and movie star, right? This guy is special. He's a very big one. He speaks a lot of languages. Oh my God. He speaks Lingala, French, and English. And Korean. My goodness, can you imagine? 안녕하세요. 안녕하세요. 우리가 TV에서 왔습니다. 지금 집에서 돌아가요. 요봉은한가 모인도. 요봉은한가 모니파파. No, I'm very proud of this guy. He was one of the main characters in the movie Heart of Africa. Yeah. Je vous assure, je le dis pas pour le flatter, je ne flatte jamais les gens parce que j'ai rien à gagner. Mm-hmm. Mais le gars est super talentueux. Magnifique. Papa, je te respecte. Moi, je te respecte encore plus. Oh. Merci beaucoup. Voilà, c'est par ici que notre vidéo s'achève. En tout cas, je vous dis merci beaucoup de votre attention. Merci de vos partages. Merci de vos likes. Merci de votre abonnement. Et que Dieu vous bénisse. En tout cas, on est ensemble. Toujours à côté de sa maman chérie. Hein, Sila Bissal, ou toujours encadrement qui que Dieu vous bénisse, continuez comme ça, moi j'aime. Oui, on a assez d'entendre toujours non, on veut voir aussi ce genre de complicité, on veut voir aussi ce genre de communication, ça a fait du bien, ça ne demande rien, ça ne vous coûte rien. Boyo kanaka bolingana vraiment na ninga solo zama opambola pe bino na misala na bino bosala. Voilà. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. God bless. C'était Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Voilà, joyeux anniversaire encore à Gatsby Kabakele. Bye bye. Ha ha!